Arthur Rimbaud, un poète français du 19e siècle, a écrit toute son œuvre entre 16 et 18 ans, pour ensuite laisser la poésie aller vendre des fusées en Afrique. On fait ce qu'on peut pour gagner sa vie. Moi, j'écris pas de poèmes. Je fabrique et je vends des alibis. Ici, on couvre tous vos petits mensonges et on vous sort des rencontres ennuyantes. Efficacité et confidentialité garantie. Chez Alibi Inc., tout repose sur le principe de la consolidation. Avant d'appeler les clients, on relie entre eux leurs alibis pour qu'ils s'appuient les uns sur les autres, dans une architecture inébranlable. Le système est indétectable. En 10 ans d'opération, le téléphone n'a jamais sonné. Vous avez fait un discours impressionnant sur le plus en route du Burkina Faso. Vous en voulez une copie? Oui, ici, le docteur Lajoie. Pour vous faire un message, oui, madame, qui a rendez-vous avec moi à 14h. Oui, merci. Au revoir. Bonjour, madame Paquette. Ici Alibi Inc. Désirez-vous toujours que je fasse un troisième appel cet après-midi? On dit qu'il n'y a pas de saut métier. J'ai cessé depuis longtemps d'avoir les scrupules avec le mien. Je me dis que, de toute façon, tout commerce est fondé sur l'attente et le mensonge. Tu n'as pas pensé. C'est le seul principe qu'il faut respecter. Puis tu n'as pas pensé. On peut pas être client ici, Joël. C'est la première fois en 10 ans, Clément. Puis c'est pas les occasions qui ont manqué, tu sais. Depuis quand ça dure, ça? Peut-être qu'on peut encore consolider. Il est peut-être pas trop tard de bien faire. Et jamais trop tôt non plus. Depuis quand ça dure avec elle? Allô? 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 Ça fait 6 mois. Alibi Inc. avait des clients réguliers parmi les scientifiques, les intellectuels, les élus, l'élite. Bonsoir, Clément. Bonsoir. Ça fait réfléchir. Je me dis qu'on a la civilisation qu'on mérite. Et 3000 ans de tragédie, ça aura pas une fin heureuse. Alibi Inc. qui vous appelle comme demandé. Parfait. Merci, monsieur. On vous rappelle dans 1 heure. Pas de problème. Merci. Bonjour. 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 J'appelle pour vous dire que votre voiture ne sera pas prête avant 6 heures ce soir. Oui, c'est la fin. Bonjour. J'aimerais savoir comment on peut devenir membre de votre petit club de faussaires. OK, on rentre à la maison. On est tout le monde dehors. Excusez-moi, j'ai peut-être jugé votre entreprise un peu trop vite. On gagne sa vie comme on peut.
qu'est-ce que vous pensez du colis que je vous ai envoyé? Pouvez-vous m'aider? J'ai besoin d'un alibi. Vous n'êtes pas un as de la discrétion, M. Marceau. On se débarrasse pas d'un corps comme ça. Sincèrement, je pensais pas que vous feriez ça pour moi. Mais quand même, hein. Avouez que c'est un peu gênant un cadavre dans un cercueil comme ça. Vous savez que vous m'accusez à tort. Marceau. Vous avez tous les deux fait vos choix. Ton associé avait celui de coucher avec ma femme. Toi, celui de les couvrir. Non, on se débarrasse pas d'un corps comme ça. Parfois, je me dis qu'on mérite peut-être la façon dont on meurt. Parfois, je me dis qu'on mérite peut-être pas de mourir. Mais plus en plus, je me dis aussi qu'on mérite rien. Bonsoir, inspecteur. Tiens, vous êtes venu ici, vous. Vous n'avez pas pu vous en empêcher. C'est quoi la joke? Quoi, il y a un problème? Si le marché économique est vraiment l'organisme vivant qu'on prétend, et si les égos humains en sont vraiment les cellules, comme chacun lutte pour sa survie, je pense que ça sent plus au cancer qu'à autre chose. Voilà, le monde est hostile. Et on fait ce qu'on peut pour gagner sa croûte. À chacun son métier. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, il s'appelle Clément Marceau. Il a tué son associé, Joël Fontaine, puis le nom de leur compagnie, c'est Albi Inc. Y a pas personne qui s'appelle comme ça dans les registres civils. J'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu d'entreprise sous le nom d'Albi Inc. Mais peut-être une compagnie d'import-export, hein? Dont vous êtes le propriétaire. Quoi? Ça a bien l'air, vous avez fraudé les douanes. Venez avec moi, j'ai quelques questions à vous poser. Les fusils de Rimbaud m'ont servi d'alibi assez longtemps. Parfois, on a juste besoin d'un coupier bien placé. Repose en paix, Joël. Dis un mensonge. Faut bien que ça serve. We'll be right back.